suivez mes stories sur Instagram, pseudo gourmandise Alia. Hello, hello mes pommes d'amour. Je reviens avec vous donc en cette saison de printemps pour vous proposer une belle recette à base de fraises et de fromage blanc. J'ai une copine qui m'a amené des fraises de Carpentras, des gariguettes. La recette est rapide, simple et délicieuse. Donc je vous propose de passer à la recette. Vous aurez besoin de 10 cl de crème fleurette, de 300 g de fromage blanc, de 250 g de fraises, de 25 g de sucre glace, 25 g de sucre cassonade et de 4 palets bretons. Vous pouvez également remplacer les palets bretons par du spéculoos. Tout d'abord, on commence par équeuter les fraises. Regardez comme elles sont belles. J'adore les gariguettes parce qu'elles sont sucrées et délicieuses. Après les avoir bien lavés, je commence à les découper en 4 à 6 morceaux. Voilà, et je les dispose dans un autre plat. J'ajoute la cassonade par-dessus et je mélange mes fraises, puis je réserve au frais pendant environ 30 à 40 minutes. Pendant ce temps, je récupère ma crème fleurette que je monte en chantilly. Petite astuce, pour qu'elle monte rapidement, il faut mettre le fouet, le bol et la crème au frigo. Vous pouvez voir que la crème prend l'aspect d'une crème chantilly. Pour vous montrer en direct, je stoppe le robot. Voilà ce que vous devez obtenir. J'y ajoute le sucre glace. Donc je continue à mélanger en attendant. Puis le fromage blanc. Et je laisse tourner la machine jusqu'à l'obtention d'une crème onctueuse. Voilà ma crème prête. On va pouvoir passer au dressage. Je récupère les palets bretons que j'émiette grossièrement dans chacune des verrines, comme vous pouvez le voir, donc un palet breton par verrine. Je prends ma poche à base donc de la crème que j'avais obtenue et je commence à remplir les verrines de cette crème. On va se régaler. Et dernière étape, je récupère les fraises qui étaient au frigo et je les dispose sur les verrines au-dessus. Et direction le frigo pendant une heure avant de servir. Et voici ma recette terminée. Regardez et observez les verrines comme elles sont jolies. Comme vous le savez, le rouge est ma couleur préférée.
C'est une recette rapide, simple et délicieuse comme je vous propose à chaque fois. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Continuez à me soutenir mes pommes d'amour, ça me fait énormément plaisir. Prenez soin de vous et vive le printemps! Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!